poser la question. Mais... Maître Ballon, vous êtes l'avocat des soldats, des familles de soldats français. Un des avocats. Oui. Des familles de soldats français morts à Boaké en novembre 2004. Je voudrais vous continuer d'intervenir à travers la crise ivoirienne encore aujourd'hui en 2013, puisque cette affaire est toujours en souffrance. Et je voudrais savoir où est-ce que vous vous trouviez le 11 avril 2011 lorsque Laurent Gbagbo était capturé et remis aux gens de Ouattara. C'est très vraisemblablement, j'étais devant ma télé en regardant mais bon, c'était une issue prévisible parce qu'on s'attendait depuis 2 ou 3 semaines déjà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé depuis votre position d'un des avocats des familles de soldats? Ça m'est très difficile de dire ça parce que je ne prends pas parti politique dans le dossier parce que les conditions avaient changé. Mais une idée qui m'a pu traverser l'esprit, on a fini en 2011, on avait voulu commencer en 2004. Mais je peux me tromper là-dessus. Vous auriez pu aussi penser d'une certaine façon, tout comme par rapport à l'affaire Kieffer, que l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir allait permettre d'ouvrir grand toutes les... Ce que j'aurais espéré avec l'ascension de Ouattara, vous savez, les deux copilotes exécutants sont toujours en Côte d'Ivoire. La justice française demande leur extradition depuis des années. Ils sont toujours en Oui. Je ne parle pas des pilotes biélorusses, je parle des copilotes ivoiriens. La justice française demande leur extradition depuis toujours. Si elle a si de bonnes relations avec Ouattara, pourquoi diable ils ne sont pas entendus par la justice française ou extradés? Bon. En tout cas, ils étaient parmi les exécutants. Maintenant, évidemment, il n'était pas des donneurs d'ordre. Petite question anecdotique, il a été avéré que la rediffusion d'un documentaire de Canal+, qui établissait tout un tas d'éléments sur la fusillade devant l'hôtel Ivoire, a été censurée sur intervention de Madame Alliot-Marie auprès de Canal+. C'est-à-dire que le film n'a été diffusé qu'une fois au lieu des 6 fois habituelles. Est-ce que ça représente un élément aggravant? C'est une tragédie de plus. Et moi, ce qui m'intéresse, qui est à l'origine de cette tragédie-là. Et jusque maintenant, on m'empêche totalement, on empêche la justice, même la justice pénale, d'accéder à la vérité dans ce dossier-là. Et le pire que quelque part la Cour de justice, en tout cas sa commission de requête, et je l'affirme très fortement, seront quelque part coupable de la même chose. Elles seront totalement complices parce qu'elles refusent d'ouvrir toute enquête concernant le bombardement de Boaké. Vous avez dit tout à l'heure pendant votre intervention que vous alliez pouvoir interroger le président Gbagbo à la... Mais je l'espère bien, dans le sens il faut qu'on en discute avec lui, mais il n'est pas opposé du tout, d'après ce que j'ai compris, au fait qu'il puisse s'exprimer dans ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et aux familles des soldats français qui vous ont choisi comme avocat à l'heure qu'il est? Qu'on découvre la vérité. La vérité, pratiquement, je la connais. Mais qu'on puisse réellement interroger les personnes qui, à mon sens, jusqu'à maintenant, ils ont menti. Et jusqu'à maintenant, ils ont empêché totalement la justice d'intervenir. Je ne veux pas dire des personnes coupables parce que je ne peux pas le prouver totalement, mais vu ce qu'ils ont fait, c'est en faisceau de présomption totale qu'ils ont essayé de couvrir une énorme bavure d'État. Merci.